Bonjour, nous sommes en 2015. À la demande de Sœur Yvette Barriot, du Québec, je voudrais donner dans cette vidéo une sorte de petit guide de lecture du journal autobiographique de la bienheureuse Dina Bélanger, cette petite sainte contemplative, une religieuse, morte à 33 ans en 1929 au Québec. Elle a été béatifiée par le Saint-Pape Jean-Paul II le 20 mars 1993. Donc, ça veut dire que ses écrits, son journal, qui n'est pas facile à lire, eh bien, il est reconnu par l'Église comme ayant une valeur spirituelle. D'ailleurs, dans le commentaire de cette vidéo, je mettrai le lien vers la lecture qu'en a fait Bernadette Gauthier pour Internet, une lecture qui permet à chacun en MP3 de l'écouter sur sa voiture. Et véritablement, je crois que très vite, les personnes qui auront qu'auront l'audace d'écouter le journal de Dina Bélanger, de la bienheureuse Dina Bélanger, se rendront compte qu'il n'est pas facile, qu'il ne peut pas se lire comme cela. En effet, le mystère particulier qu'elle va regarder, c'est le mystère de la souffrance qui sauve. Ça a été d'ailleurs l'objet d'une encyclique par le Saint-Pape Jean-Paul II en 1984, Salvi Fici Doloris. C'était après son attentat. Lorsque le pape Jean-Paul II s'est étonné de voir, le jour où Mohamed Tadiaka lui a tiré dessus, l'ange de Fatima détourner la balle. Et qu'ensuite, à l'hôpital, il s'est demandé pourquoi cette balle avait été juste détournée pour qu'il ne meure pas, mais lui a imposé une telle souffrance. Il a donc été conduit à méditer avec Dina Bélanger sur ce mystère ultime qu'est la souffrance. Je dis bien que c'est un mystère ultime. Ça veut dire que si on prend ce journal comme cela, en voulant du premier coup, alors que parfois on débute dans la vie chrétienne, lire ce que dit Dina, on ne peut qu'en être profondément décontenancé, je dirais même déstabilisé, et parfois même scandalisé, puisque à un moment donné, elle manifeste des cris d'amour pour la souffrance. Saint Paul le dit lui-même, il le dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. « Pour le moment, vous ne pouvez en supporter davantage. » Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aborder au début de la vie spirituelle, ou alors il faut les aborder théoriquement en expliquant ce qui est en jeu là-dessous. Eh bien, c'est ce que je voudrais faire dans cette vidéo pour, je dirais, pour ceux qui se lanceront dans l'écoute, qu'elle puisse être reçue avec fruit. D'ailleurs, à cet égard, non seulement Sœur Yvette Barriot, mais une autre personne m'avait écrit pour me dire son trouble à la lecture du journal de Dina Bélanger. Par exemple, elle me met cette citation-là. Elle dit « C'est un mystère d'amour de songer que là-haut, notre bonheur sera parfait et que nous n'aurons plus la joie de souffrir pour le bon Dieu. » La joie de souffrir. Donc, il va falloir nettement comprendre ce qui est dit là, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, il y aura toute la capacité théologique pour comprendre ce langage. Alors d'abord, en premier lieu, une petite présentation de qui est Dina. C'est une jeune fille qui naît à la fin du 19e siècle au Canada. C'est l'unique enfant d'une famille qui est très unie. Le papa est expert comptable, ce sont des catholiques profondément pratiquants. Et Dina se révèle avoir un caractère, on pourrait dire, perfectionniste. Elle est sage, elle est typiquement une enfant sage, qui veut, du mieux qu'elle peut, contenter ses parents, mais aussi, parce que sa foi s'enracine profondément, contenter le bon Dieu. Et elle le fait avec son caractère. Son caractère est perfectionniste, c'est une musicienne aussi. Et une petite phrase peut permettre de comprendre sa psychologie. Elle dit à un moment donné, elle parle dans son enfance, hein, « J'avais le désir de ne pas faire même un seul péché véniel volontaire. » Il faut expliquer ce que ça sous-entend. C'était une personne qui était formée dans la catéchisme, le catéchisme de l'époque qui était assez solide. Ne pas faire un seul péché mortel volontaire, ça se comprend. Le péché mortel, c'est blesser l'autre. Blesser l'autre dans l'amour, dans le secret même de l'amour qui s'appelle la confiance. C'est plus que blesser. Ça tue pendant un moment la confiance parce qu'on a trahi. Un péché mortel volontaire,
ne peut recréer la confiance que s'il y a une démarche de réconciliation vers l'autre. On explique ce qu'on a fait, on demande pardon, on promet de ne pas recommencer, on répare. Un exemple de péché mortel volontaire contre son prochain, c'est par exemple si Dina Bélanger, volontairement, s'était mise à insulter sa mère en disant « Oui, tu m'en demandes trop, de toute façon tu me fais, etc. » Là, véritablement, il y aurait quelque chose de grave qui doit, je dirais, passer par un pardon, même si c'est fait, dans ce cas-là, par la faiblesse. Évidemment, Dina Bélanger n'a jamais fait cela. Mais elle parle d'autre chose. Elle parle de la volonté de ne faire aucun péché véniel volontaire. Le péché véniel, c'est quelque chose, je dirais, qui est une imperfection, qui ne tue en rien la confiance. Mais par exemple, ça consisterait, si sa mère nous a demandé de mettre le couvert, eh bien de ne pas le faire avec une, je dirais, un zèle intempestif, de mettre un peu de temps, de se faire rappeler à l'ordre pour le mettre. C'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas grave. Mais, effectivement, ça peut être volontaire. Le fait que dès son enfance, Dina se donne ce programme, donc de ne même pas commettre volontairement une imperfection, elle en commettra involontairement, évidemment, ça indique un caractère perfectionniste. Et entre le perfectionnisme et le scrupule, il n'y a qu'un pas. Pour bien comprendre ce que ça donne, eh bien, lorsqu'un enfant aime son papa de tout son cœur, il y a plusieurs manières de l'aimer. Une première manière qui consiste jusque dans la perfection, d'être tout le temps parfait, tout le temps délicat, tout le temps obéissant, sans, je dirais, aucun écart volontaire de conduite. Et puis il y a d'autres façons, qui passent parfois par des péchés véniels volontaires. Exemple, eh bien, on va aller attacher les lacets de ses chaussures ensemble, pour lui faire une plaisanterie. C'est sûr que ça va bien une fois, ça va bien deux fois, et puis trois fois, c'est exagéré. Donc il faut savoir s'arrêter. Mais on le voit, les enfants qui font parfois des choses comme ça, volontairement, qui ne sont pas bien graves, eh bien, ça met un climat de vie à la maison. Chez Dina, non, le perfectionnisme jusque-là, et ça va être le trait de son caractère toute sa vie. Donc, si on lit le journal de Dina Bélanger, on lit la manière dont un tempérament particulier, une jeune fille, je dirais, bien éduquée sous tout rapport, va vouloir aimer son Seigneur, à savoir le Dieu Tout-Puissant. Elle va l'aimer jusque dans toutes les micro-délicatesses. Et c'est donc une spiritualité particulière. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aimer le Seigneur. On parle des sept esprits de Dieu. Ce qui veut dire que, si on lit Dina Bélanger, la première chose, c'est qu'il ne faut pas imiter sa manière à elle selon son tempérament. Il faut aimer le Seigneur selon son tempérament. Je vais donner un exemple pour bien le comprendre qui illustre ça. Il y a différentes façons dont des ménages, des mariages, avec deux personnes, un homme et une femme, s'aiment profondément. Il y a parfois une façon qui est toute en attention réciproque, en délicatesse, qui dure toute la vie, avec le mari qui ouvre la portière de la voiture et qui le fait 20 ans après. Et la femme qui ne ferait rien pour offenser son mari. C'est une manière d'aimer qui est magnifique. Seulement, si jamais tous les couples se disaient « C'est cette manière-là qui est la seule qui est valable. » Et ma manière à moi, qui consiste à dire « Tu n'as pas rangé tes chaussures et tu as sali l'entrée avec tes chaussures qui n'étaient pas nettoyées, tu passes la serpillière toi-même, mon mari, parce que je t'avais prévenu. » Si jamais un couple se disait « Ma manière d'aimer mon mari n'est pas celle qui est l'idéal, comme je vois faire cette autre femme », alors elle détruirait son propre couple. Cette autre femme a un autre tempérament. Et sa manière d'aimer, qui consiste aussi à être capable de faire des petites scènes de ménage à son mari, eh bien, c'est sa manière d'aimer. Elle existe. Par rapport au Seigneur, c'est exactement pareil. Donc d'abord, vraiment, avoir cette souplesse. Que je rappelle, hein, Sainte Catherine de Sienne, par exemple, épouse du Christ, s'il en est, docteur de l'Église, n'hésitez pas à faire des scènes de ménage à son mari Jésus. À savoir que quand il y avait un pauvre, vraiment un cas très grave, du style la femme malade et le mari qui risquait de mourir à cause d'une maladie qu'il frappait lui-même et des enfants à élever, elle allait demander à Jésus la guérison des parents. C'était normal, ils avaient des enfants. Et Jésus, par exemple, tardait à guérir.
eh bien, elle n'hésitait pas à prendre la statue de Jésus à la chapelle et à la mettre à la cave, la tête tournée vers le coin, jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. C'est une manière d'aimer. Donc, attention à cette souplesse. Déjà, si on a cet esprit-là, qu'on comprend que Dina Bélanger, c'est une manière d'aimer, eh bien, on garde sa liberté. Alors, autre remarque, quand on lit le journal de Dina Bélanger ou quand on l'écoute avec Bernadette, on constate que c'est un voyage entièrement intérieur. Elle parle de sa relation, de son âme par rapport à Jésus, par rapport au prochain. Elle décrit ses états d'âme. Et alors, on pourrait se dire, mais elle passe son temps à se regarder, à regarder la manière dont elle aime. Et on peut en sortir gêné. Donc, il faut compléter ce témoignage par le témoignage de ses sœurs, de ses compagnes, qui la présentent comment ? Certes, elle était parfaite. Elle prenait toujours la dernière place. Elle était toujours à obéir, toujours contente. Mais ce qui doit nous toucher, c'est que un jour, par exemple, elle était malade, elle avait sa tuberculose vers 32 ans, et on l'a oubliée, on l'oublia pour le repas. Personne ne pensa à lui apporter le repas. Elle ne s'en plaint jamais. Et quand la sœur supérieure s'en rendit compte, lui dit « Mais pourquoi vous n'avez pas demandé votre repas ?» Et elle disait simplement « Je ne voulais pas gêner. » Lorsqu'elle était en récréation, elle était joyeuse. Elle participait à la joie des autres, mais toujours en les mettant en avant. Par exemple, si une sœur racontait une facétie, parce qu'il faut des récréations, hein, on ne peut pas être entièrement tendu vers la prière dans la vie religieuse, eh bien, elle la laissait parler. Et ensuite, éventuellement, elle racontait elle-même une petite chose qui allait égayer ses sœurs. Les autres en avant. Quand ses sœurs se comportaient mal avec elle, eh bien, elle n'avait même pas l'idée de leur faire un reproche. Elle excusait tout. Elle pardonnait tout. C'est la charité, s'estimant sans doute indigne de quoi que ce soit. Donc, il faut bien constater que c'est une véritable sainteté. Ce n'est pas qu'une introspection. Il ne faut pas lire que le journal. Il faut donc regarder sans qu'en pensent les autres sœurs. Et alors, du coup, à partir de ce premier regard, on peut se pencher sur le journal et on verra un chemin intérieur qui est, comme le dit le père Lethel dans son introduction, qui n'est rien d'autre que vécu en acte la manière dont les demeures de Sainte Thérèse d'Avila ont été vécues par cette âme-là. Seulement, c'est vécu dans le cadre de la vie religieuse. Ça veut dire d'une vie où tous les moyens sont directement ordonnés à l'amour de Jésus et contemplativement à la prière pour le prochain. Du coup, on pourrait se dire, mais ça ne concerne pas les gens qui sont mariés, qui sont dans la vie, je dirais, civile, ça ne concerne que les religieuses contemplatives. Eh bien, on va voir que si. Mais toujours pareil, pas selon le même mode, pas selon la façon de faire de cette jeune fille précise, fille de comptable, presque, je dirais, pas scrupuleuse, mais ça pourrait devenir du scrupule, tellement elle poursuit le moindre de ses défauts volontaires. Du coup, elle utilise tous les moyens de la vie religieuse, à savoir d'abord l'obéissance, qui est le vœu le plus compliqué, mais aussi les pénitences, pour chercher à être parfait, comme son père. Le père de Jésus est parfait. Et alors, on la voit franchir les étapes classiques de l'amour, les étapes qui sont d'ailleurs les mêmes dans le mariage et qui sont faciles à comprendre. Ils sont décrits par Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Donc, elle rentre au couvent et elle est pleine de zèle pour Dieu. Elle est sans cesse envahie par sa présence, une présence mystique intense, donc des sensations de présence. Ça ressemble tout à fait à ce qui se passe quand on entre dans le mariage, à savoir que au début, il n'y a qu'à demander aux adolescents. Ils sont pris de passion. C'est une telle joie d'être avec l'autre. Et les jeunes filles particulièrement ont tendance à croire que ce plaisir sentimental, je dirais, qui comble leur cœur, va durer toujours. Or, Dina, dans sa vie contemplative, va faire l'expérience très vite de la première nuit, qu'on appelle la nuit des sens. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il n'y a plus de sensation de présence. Elle passe des heures à l'oraison, au début, avec des grâces sensibles intenses, et au bout d'un certain temps, plus rien. Elle ne ressent plus rien. C'est exactement la même épreuve qui arrive dans le couple, on le sait bien, peut-être dans les 2-3 premières années. À savoir qu'au bout d'un certain temps, souvent la jeune femme d'ailleurs, plus rapidement que le jeune homme, ne ressent plus rien, et du coup s'imagine qu'elle n'aime plus, puisqu'il n'y a plus de sensation d'aimer.
tout le travail qui fait que le couple va rester. C'est si la jeune fille arrive dans sa intelligence à comprendre que cette sensation d'aimer n'était qu'un plaisir féminin. Et que l'amour, le vrai, c'est celui qu'elle doit avoir pour lui, son homme. Parce que c'est lui qui est honnête, c'est lui qu'elle a choisi. Et puis, si le plaisir sensible est moins ressenti, eh bien, il faudra qu'il le comprenne, lui expliquer ce qu'elle ressent, et qu'il fasse des attentions de temps en temps pour qu'il revienne. Mais qu'à un moment donné, le but de cette première nuit, c'est qu'elle se mette à l'aimer pour lui-même et non pas pour le plaisir d'aimer. C'est exactement la même épreuve pour Dina, et elle, elle l'a franchie, évidemment, allègrement. Mais avec une perfection qui ne doit pas décourager. Ça veut dire qu'elle, elle ne demande aucune grâce sensible à Jésus. Je dirais même, elle se réjouit de ne plus rien sentir, parce que ça lui paraît être une union plus forte à Jésus. Ça, c'est là que commence, je dirais, son amour de la souffrance, et sa mère supérieure s'en rend compte. Il lui dit un jour, « Je vous demande de ne plus demander de souffrance. Laissez celle que le Seigneur envoie venir, et c'est tout. » Et donc, dans l'obéissance, à partir de ce moment-là, raconte la mère supérieure dans son témoignage, eh bien, elle ne demandera plus de souffrance. Dans l'obéissance, pour elle, obéir, donc renoncer à sa volonté propre, eh bien, c'est supérieur à ses désirs intenses. Évidemment, appliqué à un couple de jeunes mariés, c'est comme si l'épouse disait « Je ne ressens plus rien, mais peu importe, mon plaisir n'a aucune espèce d'importance, mon plaisir sensible d'être avec mon mari, ce qui compte c'est que lui soit heureux. » Et donc, on serait gêné, on dirait « Mais elle va trop vite, elle va jamais tenir, elle a besoin au moins de moments, de plaisir sentimental, sinon elle va craquer. » Voilà pourquoi je dirais, il ne faut pas imiter matériellement Dina Bélanger, mais regarder son chemin comme son chemin à elle. Et par contre, s'en inspirer pour sa propre vie spirituelle. Nous, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, la nuit des sens, nous y passons aussi. Tous ceux qui s'ennuient à la messe le savent, tous ceux qui pensent à autre chose pendant le chapelet le savent. Et de temps en temps, eh bien, on demande au Seigneur de nous redonner une petite grâce sensible quand on en a besoin. Parce que quand c'est la nuit des sens totale, eh bien, on a du mal à tenir, et le Seigneur nous comprend. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, lorsqu'on a franchi cette première nuit des sens, c'est quand, vraiment, sincèrement, on n'a plus besoin de ses plaisirs sentimentaux. Donc, dans un couple, lorsqu'une jeune femme dit « C'était merveilleux, rappelle-toi nos fiançailles, oh, ça fait longtemps qu'on n'a plus ces joies à se revoir, on est tout le temps ensemble, on se fait confiance, mais j'en ai plus besoin de ces plaisirs-là. Ce qui compte, c'est que tu es là. On s'est peut-être engueulé parfois, on s'est réconcilié, mais on s'aime. » Donc, quand la nuit des sens a fait son œuvre, et qu'on est rendu à ce qu'on appelle la quatrième demeure, dans les descriptions de Sainte Thérèse d'Avila, le plaisir sensible est devenu secondaire, et Dina Bélanger, évidemment, y arrive très vite. Alors ensuite, on se dit, mais ça y est, on a purifié l'amour, on n'est plus des jeunes perdreaux de l'année, on aime l'autre vraiment et le couple est parti pour durer. C'est vrai, c'est souvent là que les enfants eh bien, sont présents, on se dévoue à eux dans le couple. Et dans la vie religieuse, c'est pareil, l'œuvre apostolique peut venir, on est une religieuse qui a atteint la maturité. En fait, il y a une autre épreuve, parce que tout n'est pas terminé dans le détachement de soi-même. Et c'est là où va arriver la suite du texte de Dina Bélanger qui a facilement scandalisé beaucoup de lecteurs ou qui ne l'ont pas compris ou parfois qui l'ont appliqué matériellement. Alors d'abord, pour bien comprendre, cette deuxième nuit qu'on appelle la nuit de l'esprit qui fera entrer ensuite dans les septièmes demeures, il faut comparer toujours à ce qui se passe dans le couple parce que c'est plus facile à connaître. Dans le couple, très souvent, il y a aussi une nuit de l'esprit. Je parle d'un couple marié, devenu plus vieux. Nuit de l'esprit, ça veut dire l'intelligence qui ne comprend plus. Qui ne comprend plus pourquoi on est avec cet homme. Donc je parle des épreuves féminines parce qu'il y a une plus grande sensibilité à cela. Ça vient souvent, je dirais, quand les enfants quittent la maison, quand le mari est en retraite et que, comme un étranger, il revient et il s'ennuie en plus. Qu'il y a eu la vieillesse qui est passée sur le corps de la femme. On a atteint peut-être 60 ans. Et là, ça a passé si vite.
que la grande épreuve consiste à se retrouver face à face avec quelqu'un qu'on a peut-être oublié d'aimer pour lui-même parce qu'on se dévouait à un but commun qui était les enfants. Donc il y a souvent à cette moment-là une grande épreuve. Le mari fait moins attention, il croit être en terrain conquis, il n'y a plus les délicatesses d'antan. Et donc, très souvent, une grosse épreuve de l'intelligence qui ne sait pas si elle n'a pas fait une erreur arrive. On repère ça chez les femmes d'environ 50 ans, lorsque elles espèrent, ou 60 ans, lorsqu'elles espèrent peut-être être grand-mère bientôt, pour pouvoir s'occuper des petits-enfants, parce que ça donne véritablement un renouveau de jeunesse. Et le mariage de leurs propres enfants arrache des larmes. Cette épreuve est difficile. Il y a beaucoup de divorces actuellement dans cette épreuve, parce que des personnes disent « je comprends plus rien à ce couple, il ne fait plus d'efforts, on est étranger, on n'a rien en commun, je refais ma vie ailleurs et je profite de la vie ». Donc on retrouve, je dirais, ce qu'on était quand on était adolescent. Évidemment, c'est une trahison de l'amour. L'amour consisterait à aimer cet homme qu'on a épousé, qui a vieilli, à l'aimer pour lui-même, parce qu'il va falloir l'accompagner. Arrivent les années qu'on ne va pas aimer, avec la vieillesse, etc., et ses propres épreuves à lui qui devient dépendant. Eh bien, Dina Bélanger va vivre cette même épreuve avec le Seigneur. Ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, dans sa vie contemplative, elle va la vivre entièrement. Elle va la vivre de manière d'autant plus terrible que son seul trésor, c'est son Seigneur, qui est présent. Or, la nuit de l'esprit, ça consiste à ne plus comprendre rien. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui a eu la même maladie que Dina, donc la tuberculose, cette chose qui étouffe, eh bien, raconte sa nuit de l'esprit en disant « Je ne croyais plus que parce que je disais de ma bouche que je croyais. Et ma pensée n'était pas là. Et son cœur non plus. Et elle disait à un moment donné « Je comprends maintenant ce qui se tue. » Pour indiquer par quel désespoir elle était passée. Eh bien, la caractéristique de Dina et ce qui fait sa sainteté, c'est que cette épreuve-là, terrible, donc qui fait toucher le désespoir, elle va la prendre à bras le corps. Et comme elle l'avait dit au début de sa vie religieuse, « Je suis venue pour demander des croix », eh bien, elle va l'accepter. C'est quelque chose d'admirable parce que pour celui qui fait la bêtise de demander des épreuves, comme le disait sa mère supérieure, lorsque le désespoir arrive, on regrette. Parce que personne ne peut aimer le désespoir. Et elle va avoir suffisamment de ressources, d'amour de son Seigneur et du prochain, pour, au cœur de l'épreuve, où il n'y a plus rien, continuer à l'accepter pour son Seigneur. Évidemment, une telle épreuve de la nuit de l'esprit, qui est presque une perte de la foi, donc de son trésor à elle, ne peut pas laisser entier. On y meurt à soi-même. Ça veut dire qu'on en sort brisé, un peu comme le Christ à la croix quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la même épreuve qu'il décrit. Et donc Dina en sort transformée, cassée, sans plus aucune attache à elle-même. Elle renonce à tout, elle ne cherche même plus à comprendre. Seul le Seigneur compte. Et à ce moment-là, le Père Lethel, qui est un carme, qui connaît bien cette spiritualité, dit « Elle franchit la septième demeure ». Ça veut dire l'union transformante à Dieu. La septième demeure, souvent, on en fait quelque chose de grandiose avec des grands états mystiques, et c'est ce qui semblerait quand on lit Dina Bélanger. En réalité, c'est une pauvre âme qui est cassée de l'intérieur, donc qui ne croit plus en elle-même, mais qui d'ailleurs s'en fiche. Ce qui compte, c'est le Seigneur et le prochain. Du coup, il y a une telle liberté, puisqu'il n'y a plus aucune attache à son propre bonheur. Au point que la parole de saint Paul, quand il dit « je souhaiterais être anathème, damné, pour que mes frères soient sauvés », cette parole-là devient toute naturelle, puisque son propre salut n'a plus d'importance. Et donc, elle va arriver là, et c'est là, je dirais, que quand on lit les textes de Dina Bélanger, donc toute la fin de son journal, on peut être scandalisé, parce qu'on peut ne pas comprendre. Donc je vais lire quelques textes qu'une personne m'a envoyés sur Internet, des textes qui la touchaient, qui la scandalisaient, pour bien les aborder, essayer d'en comprendre la raison, comment cette septième demeure peut être ainsi. Par exemple, page 186, « Le premier jour de l'an, à la méditation,
Mon tendre époux, écrit Dina, me fit ses souhaits et ses étrennes. Ses souhaits, c'était l'amour. C'était de le laisser faire, lui, et de laisser agir sa mère, Marie, qui est aussi la mienne. Et ses étrennes, au bonheur. Il allait me donner de la souffrance. Page 249. Toujours plus souffrir et toujours mieux sourire. Alléluia dans la nuit, alléluia dans les déchirements intimes. Et il y a des dizaines de pages comme ça, où elle clame son amour de la souffrance. Elle parle même, à un moment donné, de sa jouissance à souffrir. Si bien que des personnes qui regardent ça de l'extérieur m'écrivent « Je continue de penser que c'est une malade psychique, en plus du physique, et qu'il n'y avait pas de raison d'en faire une bienheureuse. » C'est vrai, on aurait l'impression, si on regarde les choses de l'extérieur, que ça s'appelle du masochisme, à savoir une souffrance qui provoque de la jouissance. Alors, c'est là qu'il faut véritablement essayer d'expliquer pour comprendre. D'abord, en premier lieu, le langage de Dina est poétique, comme le langage de Saint Jean de la Croix lorsqu'il parle de la vive flamme d'amour. Ça veut dire qu'à un certain niveau, pour exprimer l'amour, on ne peut employer que des métaphores. Maintenant, si on parle en langage scientifique, précis, voilà comment il faut faire. Je vais donner quelques exemples de ce langage poétique. Dans la Bible, pour signifier un amour profond, au début de la Genèse, il est marqué « Dieu les créa hommes et femmes il les fit, à son image il les fit, ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. » Une seule chair. Est-ce que c'est à prendre au sens matériel? Ils s'aiment tellement qu'ils ne font plus qu'une seule chair. Oui, en un sens, par le signe de l'union physique, qui peut donner la vie à un enfant. Mais dans la réalité, non, c'est juste une façon de parler pour dire que leur volonté est tellement unie entre un homme et sa femme, qu'ils ne font plus qu'un seul cœur. Et on emploie un langage charnel pour le signifier. On a plein d'exemples comme cela. Par exemple, le Vendredi Saint, lorsqu'on fait le chemin de croix, le chant qui est chanté et qui frappe tous ceux qui font le chemin de croix, c'est « Ô croix bienheureuse ». Et d'autre part, il y a une sorte d'adoration de la croix et on l'embrasse. C'est au point que Mel Gibson, dans son livre, dans son film qui s'appelle « La Passion du Christ », manifeste à un moment donné, en s'appuyant sur la révélation de Anne-Catherine Emmerich, je crois, que le Christ, au moment de porter sa croix, l'embrasse. Et le mauvais larron qui est là le voit et dit « Regardez, il est complètement fou, il embrasse sa croix !» Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand Dina Bélanger dit qu'elle aime la souffrance, qu'elle en jouit de la souffrance? Il faut comprendre en fait qu'elle aime l'effet de la souffrance. L'effet de la souffrance qui est un double effet. Premièrement, c'est elle qui a créé en elle ce cœur brisé, cet esprit conforme au Christ, ce cœur qui ne pense plus du tout à elle. Et deuxièmement, par ses souffrances, elle sait, dans la septième demeure, qu'elle peut porter les souffrances des autres et faire que les autres souffrent moins. Et alors, on retrouve ce langage-là dans l'Écriture, Colossiens chapitre 1, verset 24. « En ce moment, je trouve ma joie, dit saint Paul, ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qu'est l'Église. » Donc, ce même double langage. D'abord, saint Paul dit, « Je souffre pour vous, donc à votre place. » Et deuxièmement, « Je souffre à la place du Christ. » C'est-à-dire que quelque chose que le Christ n'a pas eu à souffrir parce que je complète ce qui manquait. Je peux, finalement, faire qu'il ait moins souffert. Alors, évidemment, problème. Là, on tombe sur la question théologique du rôle de la souffrance. C'est important. C'est le problème central. Il faut en arriver là. C'est quoi cette histoire de souffrance et de croix rédemptrice dont parle le pape Jean-Paul II? Si on ne comprend pas ça, tout le reste paraît du délire mystique. Donc, voilà comment, je crois, on peut traduire le sommet de la révélation chrétienne pour le comprendre. Le problème n'est pas la souffrance. Le problème, c'est la raison de son utilité pour le salut. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Dieu veut-il cela? En fait, ça vient de ce qu'il est, de sa Trinité. Ce que je vais dire là, c'est le principe de toute la théologie. Quand on a cette théologie en tête, tout devient clair, dans ce que écrit Dina Bélanger.
le but de la création, venant de la Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, le but, c'est de communiquer de manière absolument gratuite sa propre béatitude. Dieu est infiniment heureux, il n'a besoin absolument de personne, mais l'amour se diffuse gratuitement, ça ne lui apporte rien. Il veut que nous puissions partager son bonheur en le voyant face à face. Ça, on pourrait le comprendre. Pour voir Dieu qui est une personne, avec une vie intime, trinitaire, eh bien, il faut aimer Dieu, c'est logique. On ne peut pas voir Dieu simplement comme on voit un trésor d'or et d'argent. C'est une personne qu'on épouse. Donc, facile à comprendre, nul ne peut voir Dieu sans l'aimer. Et si Lucifer ne peut pas entrer dans la vision de Dieu, c'est parce que lui, il réclame les trésors de bonheur que Dieu donne, mais il refuse d'aimer Dieu. On pourrait se dire, mais c'est pas logique. Lucifer est intelligent. Il ne peut pas refuser d'aimer Dieu. Oui, il refuse d'aimer Dieu parce qu'il lui a été révélé quelque chose qui lui déplaît de Dieu. Et quelque chose qui peut aussi nous déplaire. En fait, Dieu a un secret intime qu'il ne peut pas changer, qui fait partie de sa vie trinitaire et qu'on pourrait qualifier en un mot kénose, K-E-N-O-S-E. C'est quelque chose, je sais, qui a été nié par saint Thomas d'Aquin, mais qui est extrêmement développé par des grands théologiens actuels et qui, je pense, est la clé pour le comprendre. Saint Thomas d'Aquin disait la kénose, c'est-à-dire le fait de s'abaisser au-dessous de soi-même, ne peut pas s'appliquer à Dieu. Dieu, on ne peut lui attribuer que les qualités positives. Il est intelligent, il est amour, mais pas les choses négatives comme cela. Quelques mystiques le contredisaient en disant « Mais tout de même, si Dieu s'est fait homme, il s'est abaissé. Si s'est abaissé et que Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ?» C'est qu'il doit y avoir quelque chose comme ça dans la Trinité. » Alors voilà ce qu'il se passe et qui permet de réconcilier donc saint Thomas d'Aquin et de grands théologiens contemporains comme Urs von Balthasar. Dans la Trinité, il y a donc, je dirais, le Père, qui est le commencement de tout. Le Père, c'est l'Éternel, c'est Yahvé. Et son éternité, parce qu'il est une personne, consiste à se contempler lui-même. Rien n'existe que lui dans l'éternité. Il se contemple lui-même. Ça paraît être égoïste, ça le serait pour nous. On est limité. Quand on se contemple perpétuellement soi-même, on moisit en soi. Mais Dieu, qui est l'infinie qualité des merveilles, quand il se contemple lui-même et qu'il se connaît parfaitement, son propre regard sur lui-même, son concept, son verbe de lui-même, est identique à lui-même. Et on l'appelle le Verbe. En termes simples, on l'appelle le Fils. Ainsi donc, on a bien un seul Dieu, le Père, et sa propre contemplation de lui-même, le Fils. Et pourtant, on a bien deux personnes, puisque comme le Fils est identique au Père, c'est la parfaite connaissance que le Père a de lui, il est semblable au Père, et donc il est comme le Père une personne. Le problème maintenant, c'est que un Père, ça n'existe pas. S'il n'y a pas un Fils, et un Fils, c'est un terme relatif, ça n'existe que parce qu'il y a un Père. Et donc, appliquer en Dieu, c'est quoi leur vie, à eux deux, qui s'appelle le Saint-Esprit, donc l'amour réciproque des deux. Ça consiste à dire, et c'est ce que dit le Père, « Tu es plus que moi, je ne suis que par toi. » Et il le dit textuellement deux fois dans l'Évangile, « J'exalterai mon Fils, et je l'exalterai encore. » Il le met donc au-dessus de lui. Ça permet d'échapper, je dirais, à ce que critiquait saint Thomas d'Aquin. Il n'y a pas d'abaissement de Dieu, il y a plutôt élévation du Fils au-dessus de lui. Et le Fils, lui, eh bien réciproquement, il dit au Père, « Le Père est plus grand que moi. » Jésus le dit textuellement dans l'Évangile. Saint Thomas dit, mais il parle comme nature humaine. Non, non, visiblement, il parle comme la personne du Verbe. « Le Père est plus grand que moi. » Est-ce que c'est vrai que le Père est plus grand que lui? Non, ils sont absolument identiques en nature. Eh bien, la kénose, c'est ça. Deux êtres absolument identiques qui ne cessent de mettre l'autre en avant. Et le Saint-Esprit le fait. C'est ça le problème que Satan n'a pas aimé en Dieu. C'est que Dieu est infiniment humble. Donc le terme humble ne va pas. On l'appelle plutôt kénose, ça veut dire
se mettent, alors qu'on est, je dirais, le père pourrait dire « je suis supérieur au fils » puisque tout procède de moi, se mettre inférieur à celui qui nous est inférieur, enfin, voilà, voilà le problème. Alors ça paraît être quelque chose de très intellectuel. En réalité, c'est un jaillissement de petitesse de ce Dieu infini. Et la conséquence que Dieu a dit à Lucifer et aux anges dès le début de leur création, c'est que nul ne peut voir Dieu sans être pareil. C'est-à-dire sans mourir à sa propre fierté sur soi-même, à sa propre légitime fierté. Et donc il a dit à Lucifer, « Je t'ai créé pour que tu me vois face à face, mais la vision béatifique est donnée d'abord au plus petit. Ce n'est pas possible autrement. » Et Lucifer a tout de suite compris que le projet que Dieu avait, qu'il lui avait révélé, de créer un jour l'homme et la femme, ferait que des femmes en particulier, peut-être plus que des hommes, à cause de la maternité, de cet instinct à mettre le petit plus grand qu'elle, donc quelque chose qui ressemble à la kénose, eh bien des femmes seraient reines du cœur de Dieu, éternellement. Et il ne s'est pas du tout trompé. La Vierge Marie, qui est représentée derrière, l'a accompli. Résultat, il s'est révolté contre Dieu, en disant « Moi, je veux voir Dieu, mais à ma façon, parce que je le mérite. Parce que, étant intelligent, je suis fait pour voir la cause qui explique tout, donc Dieu. » Et il refuse de le voir en étant le plus petit. C'est exactement la clé, ce même mystère qui a été révélé à Adam et Ève. Adam et Ève, Dieu leur a dit « Je vous ai créé pour que vous me voyez face à face. » Et il leur a donné un simple commandement, d'obéir. C'est-à-dire d'accepter ce que lui, Dieu, appelle le bien, à savoir l'amour réciproque, comme époux, le fait d'élever leurs enfants, de nommer la nature. Obéir, ne pas manger eux-mêmes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire inventer eux-mêmes le bien et le mal. Cet acte d'obéissance, c'est une épreuve terrible pour des êtres humains spirituels comme Adam et Ève, parce qu'un être humain spirituel, ça veut pouvoir choisir le bien et le mal. C'est tellement plus, je dirais, plus digne d'être maître de son destin, de devenir comme un dieu. Et donc on sait qu'ils désobéirent sur l'influence et l'indication de Lucifer, qui lui triomphait. Il avait fait chuter l'humanité, qui s'était révoltée contre Dieu. Et donc le plus petit qu'allait être le plus grand s'était raté. Eh bien, il s'était trompé. Dieu avait laissé Lucifer approcher Adam et Ève, et ce fut la plus grande erreur de Lucifer. C'est qu'en fait, Dieu, loin de renoncer à son projet, entra alors dans une autre sagesse pour que Adam et Ève puissent acquérir un cœur kénose, tout humble, à savoir la souffrance. Mais d'abord, avant de montrer comment l'Église peut chanter avec raison que cette rédemption par la souffrance est allée bien plus loin que celle qui devait être faite par la simple obéissance d'Adam et Ève. Tout de même, je voudrais préciser quelque chose. Pourquoi Adam et Ève eux-mêmes doivent-ils avoir un cœur tout humble, un cœur kénose, pour pouvoir voir Dieu face à face? Pourquoi est-ce que l'amour ne suffit pas? Ils aiment Dieu, puis ils arrivent avec leur légitime fierté, ils ont bien agi, ils ont élevé leurs enfants. Pourquoi il faut en plus qu'ils obéissent, donc qu'ils s'abaissent au-dessous d'eux-mêmes? La raison est très simple, c'est que quand on voit face à face le Tout-Puissant, qui se fait plus petit que soi, qui passe son temps, lorsqu'on arrive dans la vision béatifique, à élever les hommes, les femmes, la Vierge Marie, au-dessus de lui. C'est son attitude habituelle à Dieu. Le Père le fait avec le Fils le fait avec le Père, le Saint-Esprit le fait avec le Père et le Fils, et la Trinité le fait avec nous. Si nous l'aimons, il nous élèvera. Nous deviendrons les rois de son cœur. Eh bien, si on arrive avec ces petites fiertés légitimes, j'ai bien agi, ici, etc. Eh bien, face à un tel Dieu infini, on ne supporte pas la vision béatifique. On ne peut pas. Je dirais, pour le comparer, une analogie qui peut-être parlera. Imaginons la chose suivante. Un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille. Et un jour, avant qu'il se soit marié, il est atteint d'une malédiction parce qu'il se met à voir son âme, ses pensées. Mais il se révèle que cette jeune fille est absolument limpide. Jamais elle ne pense à elle. On sait que ce n'est pas vrai dans la réalité, mais cette jeune fille-là est comme cela. Elle est par exemple la Vierge Marie, dont Saint Louis-Marie Grignion de Montfort disait qu'elle est quasiment
si l'Esprit-Saint avait dû s'incarner, il serait devenu la Vierge Marie. Donc elle ne pense jamais à elle. Elle ne pense qu'à lui, tout le temps. Elle se considère comme rien, mais sincèrement, il n'y a aucun retour sur elle-même. Et lui, c'est un garçon normal. Ça veut dire que elle a un peu d'argent, ça l'intéresse, ça sera quand même bien. Et puis, elle est jolie. Et alors, donc, il s'attend à avoir beaucoup de plaisir, etc. Devant une telle pureté, il voit son âme. Ce garçon normal, avec ses qualités, ses défauts, ne supporterait pas. C'est pas possible. Il ne pourrait pas la toucher. Et comme dit la Bible, « Va-t'en loin de moi, car mes mains sont celles d'un pécheur. » Eh bien, c'est exactement pareil quand on voit Dieu face à face et qu'on a un petit peu de fierté, cette fierté ridicule devant l'immensité des perfections de Dieu et d'un Dieu qui s'abaisse au-dessous de nous. On ne supporte pas. Résultat, pour voir Dieu face à face, il n'y a rien à faire. Soit, c'est la sagesse d'Adam et Ève, on obéit et donc on renonce à sa volonté propre. C'est ce que va tenter Dina par son action sur elle-même, par le vœu d'obéissance. Mais ça ne va pas loin. Ce n'est pas suffisant. Soit, on atteint dans son être même, parce qu'on a souffert, et souffert le désespoir, la science absolue, définitive, qu'on n'est rien, et que Dieu seul compte. Et voilà pourquoi la souffrance est rédemptrice. Le problème, c'est que si on lit le livre de Dina Bélanger sans cette théologie en sous-jacent, alors il reste quoi ? Eh bien, des efforts pour obéir tout le temps, pointilleux, et puis cet amour de la souffrance. Alors qu'en fait, ce qui est aimé, ce n'est pas la souffrance, c'est le fait que son effet va produire une mort à soi-même qui fait qu'on sera plus proche de Dieu. Et résultat, comme c'est un secret extrêmement mystique dans tous les ordres religieux du 19e et début du 20e siècle, eh bien, comme c'était normal, les mères supérieures ont insisté sur l'obéissance, l'offrande des souffrances, et ça a donné une vie religieuse austère, je dirais presque sinistre, qui ne donne pas envie de suivre. Il n'y a pas de joie, on dirait, en lisant les carnets de Dina Bélanger. Et du coup, comme le Canada, le Québec en particulier, a poussé très loin ce vœu d'obéissance, cette obéissance religieuse, et bien lorsqu'est arrivée la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite mai 68, le Canada, en quelques années, a rejeté tout cela pour basculer dans un désir de liberté spontanée, de plaisir, de liberté qui, je dirais, qui s'épanouit au jour le jour, et non plus ce christianisme qui paraissait moisi. En fait, le christianisme n'était pas moisi. Simplement, il fallait toujours se rappeler du mystère, ce mystère de joie plénière qui attend, je dirais, dans la vie éternelle. C'est un sommet, et donc il est fatal, étant donné que c'est très dur à comprendre, que périodiquement, quand l'Église connaît un renouveau profond, comme elle l'a connu au XIXe siècle, au Canada, en France, en Belgique, donc avec des ordres religieux qui ont insisté de la part de mères fondatrices très conscientes de l'importance de l'obéissance et d'offrir sa souffrance, il était fatal qu'on perde le sens du mystère, que des religieuses l'appliquent sans comprendre et qu'on tombe dans quelque chose de renfermé, je dirais, de pas épanouissant, de presque janséniste. Alors évidemment, si par contre on a toujours en perspective ce regard de Dina, elle verra Dieu, c'est son but. Et en plus, elle va pouvoir, par sa souffrance, puisqu'elle ne compte plus à elle-même, souffrir pour des pauvres crucifiés, à savoir des mauvais larrons qui ne savent pas que Dieu existe et qui eux vivent le même désespoir, mais il n'y a pas de but. Donc c'est beaucoup plus douloureux comme souffrance. Elle va prendre une part de leur souffrance par sa souffrance. Elle va prendre aussi une partie de la croix des bons larrons, c'est-à-dire les hommes droits, humbles, qui n'ont pas la chance d'avoir reçu la foi, et qui donc espèrent qu'il y a un salut, puis qu'ils perdent comme les autres un enfant, et puis la vieillesse arrive, et beaucoup de suicides. Elle va pouvoir porter une partie de la souffrance. Voilà ce qu'elle dit dans sa septième demeure. Et donc elle demande plus de souffrance pour, je dirais, la prendre aux autres. Évidemment, quand on lit le texte, sans ce regard-là, on a l'impression d'être face à un masochisme maladif. Et ça n'a rien à voir, c'est le sommet de la vie mystique. Alors très concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant pour ceux qui arrivent au ciel et qui rencontrent Dina Bélanger, qui les accueille? Eh bien souvent, par exemple, une maman arrive au ciel et elle se rend compte que telle souffrance qui aurait peut-être pu la faire avancer, eh bien Dina l'a pris pour elle.
et elle ne l'a pas eu, mais elle a pu avancer tout de même. En fait, ce que vit Dina Bélanger dans la septième demeure, c'est une vocation particulière qu'on appelle la vocation de victime d'amour, et dont parle la Sainte Vierge à la Salette, exactement le 19 août 1917. Je lis le texte. Bernadette, pardon, c'est à Fatima, 19 août 1917, et non pas à la Salette. Sœur Lucie demande à la Sainte Vierge de guérir certains malades, et la Sainte Vierge lui répond « Oui, j'en guérirai certains dans l'année », puis, prenant un air triste, elle ajouta « Priez, priez, beaucoup, et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » En fait, Dina Bélanger, dans cette septième demeure, étant libérée totalement d'elle-même, elle ne cherche plus de plaisir à prier, elle ne cherche plus à comprendre, elle veut juste aimer. Eh bien, il s'avère qu'elle prend cette vocation de victime, comme Marthe Robin et comme d'autres, et qu'elle se met à prendre les souffrances de grands pécheurs. Très concrètement, ça se passe comment à l'heure de la mort de ces grands pécheurs? Eh bien, ils se rendent compte que, par exemple, Dina, à un moment donné où ils auraient dû avoir un grand malheur tellement ils étaient orgueilleux, Dina a pris sur eux la souffrance et qu'ils ont tout de même appris, mais par une manière plus douce. Et ils se rendent compte qu'en fait, s'ils acceptent de se repentir face au Christ à l'heure de la mort, Dina a pris, a porté dans sa chair les dettes de peine qu'il devrait payer normalement. Donc il y a une communion totale des saints, et Dina est là, et aussi le Christ, qui leur indique qu'il y a donc un salut qui est possible, qu'aussi grand que soit leur péché, on a prié pour eux, on ne les a jamais oubliés, jamais abandonnés, alors qu'ils le croyaient. Ça touche profondément leur âme, et beaucoup, face à un tel amour, évidemment se tournent vers le Christ, à genoux, en larmes, et demandent pardon pour leur péché. Alors évidemment, lorsqu'on comprend donc à quoi est liée toute cette souffrance ultime, donc le mystère mystique de la souffrance vécue par Dina Bélanger, on peut se dire parfois « Ah mais c'est une vocation formidable, je choisis la vocation de victime, ne serait-ce que pour mes enfants et mes petits-enfants. » Et c'est là que je voudrais faire une mise en garde, vraiment, à savoir qu'il ne faut pas se laisser emballer trop vite. Dina Bélanger est une religieuse contemplative. Elle a certes une mission active aussi d'enseignement, mais elle est une religieuse contemplative. Ça veut dire qu'elle, appelée par le Seigneur, n'a pas charge d'âme. Ça veut donc dire que si une maman ou un papa qui a charge de ses enfants, qui doit travailler au jour le jour parce qu'il doit les élever, fait cette demande maintenant de devenir une âme victime, je pense qu'il a tort. Il a tort parce qu'il ne peut pas le faire. Sa mission à lui, son devoir d'État, c'est pas de connaître une phase de désespoir pour après, etc. Offrir sa vie en offrande pour le salut des hommes. Pas tout de suite. Là, il doit élever ses enfants. Et donc, il a un devoir d'être en forme, d'être présent à son travail. Alors évidemment, on va dire, dans ce cas-là, c'est une vocation particulière. Elle ne concerne que Dina Bélanger. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça peut concerner tout le monde, mais qu'il faut être suffisamment prudent devant le Seigneur, avec la Vierge Marie, pour la supplier de ne pas nous envoyer la nuit de l'esprit, tant qu'on a charge de famille. Et ça, c'est le chemin de la Vierge Marie. Elle a été maman, avec un petit enfant qu'elle a dû emmener en Égypte. C'est ce que comprend Saint Joseph aussi. Quand on a charge d'un enfant, qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que de ne plus être capable de l'élever parce qu'on est au fond du désespoir? Je l'ai dit, cette souffrance, elle a deux buts. Premier but, nous donner un cœur tout humble, casser notre orgueil, nous donner un cœur comme le Christ, kénose. Et deuxième but, porter pour les autres, donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Est-ce qu'il faut demander cette souffrance en cette vie ou alors dans l'autre au purgatoire, puisque de toute façon, personne n'entre dans la vision béatifique sans avoir ce cœur kénose? Je dirais, s'il ne faut pas la demander tant qu'on est à charge de ses enfants, ça serait aussi une erreur de demander que ce soit dans l'autre monde. Je me rappelle que Maria Sima, qui n'est certes pas béatifiée, mais c'est intéressant, raconte la vision suivante. Elle était allée dans un hôpital de tuberculeux, elle avait rencontré un prêtre,
Et ce prêtre lui avait parlé d'une jeune fille qui lui avait dit le matin qu'elle avait demandé à Dieu de faire son purgatoire sur terre, donc de lui envoyer suffisamment de souffrance pour que son cœur orgueilleux soit tout humble. Et lui avait répondu « Moi, je n'ai pas osé faire cette prière-là, parce que jamais j'aurai le courage. » Et puis, quelque temps plus tard, la jeune fille et le prêtre étaient morts. Et Maria Sima avait raconté qu'elle les avait revus dans l'une de ses visions des âmes du purgatoire. Elle avait revu le prêtre qui lui avait dit, de l'autre côté de cette vie, « Oh, je regrette de ne pas avoir eu le courage de cette jeune fille qui est au paradis, parce que maintenant, tout ce que je dois apprendre, c'est bien plus dur, c'est bien plus long. » Pourquoi c'est plus dur? Parce qu'il a vu le Christ de ses yeux, il l'a choisi, il sait qu'il est sauvé. Et donc, dans le purgatoire, quand on sait qu'on est sauvé, il faut beaucoup plus de temps, d'impression de solitude, pour qu'un jour, on puisse atteindre cette expérience du désespoir, ce moment de nuit d'esprit, comme le Christ. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça paraît donc une éternité. Résultat, je pense que pour ceux qui se sentent attirés par cette vocation de victime, comme Dina Bélanger, c'est peut-être à demander dans son troisième âge, lorsqu'on n'a plus charge d'un mari, lorsqu'on n'a plus charge d'enfants, de petits-enfants. Et à ce moment-là, personne ne voit ce qu'on souffre quand on est une personne âgée. Parce que les jeunes, ils ne savent pas ce qu'il y a dans la tête d'une personne âgée qui est un ancien jeune. Et donc on peut vivre ça tout seul, sans nuire à personne. Et là, vraiment, demander au Seigneur, je dirais, cette même croix que Dina Bélanger, non pas par amour de la souffrance, mais d'abord pour acquérir le cœur kénose, et ensuite, et c'est là où les grands-parents et les parents vont trouver un but, ensuite, pour porter une partie de la souffrance de ses enfants ou de ses petits-enfants qui ont perdu la foi. Parce que ça, c'est l'épreuve actuelle. Au Canada, comme en France, comme en Belgique, nos enfants, nos petits-enfants perdent la foi et se trouvent donc à vivre leur vie sans l'aide de la Sainte Vierge, sans cette lumière qui fait que cette vie a un but. Alors, ils affrontent les mêmes soucis que nous avons eus, mais il n'y a pas de direction. Donc les épreuves du couple, les maladies d'enfants et la vieillesse qui vient à toute allure, c'est terrible. Ils vivent une croix bien plus lourde que nous. La croix du mauvais larron pour ceux qui tombent dans le péché et la croix du bon larron pour ceux qui simplement n'ont pas la foi. Alors donc, si comme grands-parents ou comme parents, une fois qu'on n'a plus charge d'âme, on peut demander au Seigneur et à la Sainte Vierge, dans la mesure évidemment où elle sait qu'on pourra le porter, de prendre une partie de leur souffrance, comme l'a fait Dina Bélanger. Je crois que ça peut être quelque chose que tout le monde peut comprendre, quelque chose qu'on peut apprendre de Dina. Je crois que dans ce cas-là, on peut être certain que les épreuves que vivent nos petits-enfants et que vivra la génération à venir vers la fin du monde, on sait quelles sont nos prophéties qui disent qu'à un moment donné viendra un dernier antéchrist et qu'il n'y aura presque plus de croyants. Donc on imagine ce que nous du ciel, on pourra voir de nos propres descendants, des souffrances d'un monde sans le vrai Dieu. Eh bien, je crois que on peut vraiment aider le Christ et la Vierge Marie à réaliser cette parole, cette demande de la Vierge à Fatima. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. Et la Vierge disparut en s'élevant en direction du Levant. Ça veut dire qu'on la verra bientôt.